Donc, Minimum Drive standard universel américain, c'est donc la personne qui va faire l'arm drag, elle se couche par terre. Personne qui a le plancher, c'est la personne qui lève, d'accord. Et la personne n'est pas. Enfin, non. La personne est un flip par-dessus. Il a la place là. D'accord. Donc, l'arm drag, c'est. Encore. C'est un peu mécanique ce que je fais, c'est exagéré. Mais c'est carrément. Encore. D'accord. Sauf que on tient quand même le bras de la personne pour que les gens y voient, que ça soit visible. T'étais pas là, toi. Hein? T'étais pas là, toi. Donne-moi ton bras. T'es pas là. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Ah, crispe pas. Ah ouais, ouais. Ah, c'est crispe. D'accord. Lève-toi. Lève-toi. Toujours là. Ça, c'est une tête d'arbre. Voilà. Il faut à la terre. Il faut pas la chute en coupée importante. Et la roulade judo. Ça c'est l'arm drag, tu vois. Trop du coude avec trop du coude. D'accord. Je vous donne déjà la main tenue et puis après celle où il faut. La japonaise. Fais juste le mouvement. Tu vas au sol. Voilà, ça. Ta main comme ça. On fait juste l'arm drag encore une fois. Là, ouais. Voilà. On fait encore. Et c'est assez une petite introduction au chain wrestling. Ça, c'est l'arm drag. C'est une arm drag maintenue avec un arm drag. Vous pouvez juste tourner dans cette position, mais tourne. Non, reste, mais tournez-vous, vous deux, pour qu'ils voient. Public. Voilà. Ah, il a remis. Oh, la tête. Non, tu peux, ouais, donc, juste un verre.